Dans cette nouvelle vidéo sans aucun contenu, nous allons manger tous les nouveaux produits Lidl. Il y en a plus de 50 et on va tester plein de trucs dans cette vidéo. Dis-moi dans les commentaires ton produit préféré et vas-y, peut-être que je te le donne comme ça. Allez, c'est gratuit, c'est cadeau. Des bisous. Comment il fait chaud les gars, on est en train de bronzer là au soleil. Au soleil. Et déjà, il est grand de taille. Hein. Les gars, aujourd'hui, direction Lidl. On va commander les meilleurs produits Lidl. J'ai la... manger. Ouais, franchement les gars, c'est trop bien comme ça, vous donner des bons plans pour les étudiants, tout ça. On a regardé sur internet les meilleurs trucs Lidl, du coup on va tester. Hein. Bien marcher, ça permet d'activer tout le métabolisme, de libérer beaucoup de choses les gars. Marcher les gars, c'est la vie. Et puis on va s'entraîner, tout ça, on va bien transpirer aujourd'hui. Il fait chaud. Allez les gars, direction Lidl. Les gars, regardez. Oh, ça a pas trop l'air d'être une kiffance. Eh, vas-y, on en prend. Vas-y, vas-y, vas-y. Mets-en, tu peux en mettre. On a sans le dogs. On met 100 dogs. En vrai les gars, les produits McKennedy, c'est vraiment trop de la dinguerie. Regardez les gars, c'est un peu vide. Les gars, est-ce que je peux vraiment me plaindre? Je me suis levé à 14h. Sur internet, ils disent que les trucs bio de Lidl, c'est vraiment super bon. Du coup, on va prendre ça. Les tartinettes choco-noisette. C'est la boulangerie, bon. Elle est vide, mais on est obligé les gars, ça c'est vraiment le banger. Escargot raisin, croissant beurre. Ok. 1€. Beef jerky les gars, ça c'est vraiment de la dinguerie ça. Du chocolat d'Italie. Ça c'est vraiment de la kiffance. Déjà. Les poulets extra croustillants, extra large, régular. Régular, régular. L'époque du Wu-Tang Clan. Les gars, je vous montre pas tout parce qu'après vous allez rien découvrir dans la vidéo. Du coup, bah, vas-y, on se capte directement à la maison. Bisous. On va essayer une comme ça. Les amis, on va commencer avec ceci, les American Style Chicken Strips. Et les nuggets poulet extra croustillante. 8 minutes à la poêle. On va voir ce que ça donne. Bon les gars, on a plus d'oignons crispy. Du coup, bah, on va devoir faire un hot dog simple. Vas-y, ouvre Dylan. Petit custo. Voilà, moi j'ai fait beaucoup d'hot dog dans ma carrière. On commence. Le petit pain. On ouvre, ok. Le petit pain. Petite sauce. Petite sauce, bien carré. Et avec amour. Avec amour, c'est le plus important. Je suis d'accord. Tac, on met de la sauce partout. On fait une belle ligne. Comme ça, on a de la sauce pendant tout le hot dog. Ok. Ok, ok. Et ensuite, tu mets ta saucisse. Ensuite, fini. 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 Si, je vais mettre du fromage. Le chef, il va montrer son talent. Comme voilà. Ça, les gars, pour avoir du fromage qui fond. Quand on a plus de non crispy, la sauce après, on la mettra après. Samoura Kentucky, une tranche de fromage. Tac, tac. Ok. Micro-ondes, chauffage. C'est chaud là, vache. C'est chaud. On va devoir se désaltérer là parce que là il fait trop chaud. On va goûter ce fameux produit les gars. Le Fruity Dream. Bon, Fruity Dream, c'est un smoothie pomme, banane, mangue et autres fruits. J'en ai déjà mangé les gars, ça a l'air trop doux. À la haute. Ah, magie hein, ça coûte 1€. Mais c'est trop bon. Je suis désolé ça les gars. Ouais, je trouve ça un peu cher. Pas beaucoup, il y a 4 gorgées. Ouais, pour un truc Lidl, je trouve ça un petit peu cher les gars. Mais sincèrement, ça désaltère. Ça désaltère. On va passer les gars aux Thunders, etc. avec la sauce curry qui est offerte. Donc on a les nuggets, les Thunders ultra crispy. Je suis obligé. On prend un Thunders, regardez. Grosse panure. Je sais pas si vous pouvez voir. La grosse petite panure. Mon Thunder, c'est une épée. C'est une... De ouf, c'est une épée. Une épée là. C'est une sword. La sauce curry. Dans la sauce. C'est parti. Oh, ils sont bons. Les filets de poulet sont super bons. Un petit peu salés. Mais c'est trop bon, les gars. Enfin, ça, les gars, c'est validé de ouf. C'est des beaux morceaux de poulet. Je vais goûter les nuggets. Oh, c'est bon. Les tenders sont meilleurs. J'ai goûté aussi les nuggets. Après, les nuggets, c'est moins cher. Ah oui, tout de suite. En fait, là, t'as le goût curry déjà dedans. C'est ça. Les gars, les nuggets, pour moi, pas très validé. Mais tenders, c'est... Tenders, c'est exceptionnel, les gars. Franchement, ils sont assaisonnés au curry, en fait, les tenders. C'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Je sais pas si vous voyez les gars, mais il y a un peu de curry. Oh et merde, c'est bien la zone. Hein. En fait, ça fond. Ça fond de ouf. Super bon. C'est... Non, franchement, Lidl, ils sont chauds. Par contre, les gars, Lidl, c'est devenu cher. J'ai payé 50 balles, les gars, dans cette vidéo. Mais c'était pas non plus un cataclysme de choses. Bon, Samurai Chicken Chica. Bon. Oh, c'est pas bon. Oh oh. Après, nous, de base, on aime pas trop les hot dogs. Mais j'aime pas le goût de la. Non, c'est dégueulasse. Non. Les pains, ils sont bons. Mais la saucisse, déteste. La saucisse, elle a un goût bizarre. Ah, je déteste. Ah, ah c'est horrible. Les charcuteries, tout ça. Si vous kiffez les charcuteries fortes, etc., vous avez kiffé. Nous, on déteste ça. Ah, je pensais que ça allait avoir un goût normal. Ah, c'est pas bon. Oh, change ton goût avec ça, c'est trop bon. Oh, ça me donne de l'énergie. Ça me rend heureux. Oh, ça me rend heureux. C'est... Banane raisin. Grenade. C'est dommage que ça coûte 1€. 50 centimes les gars, on achèterait tout le temps. Bah après les gars, c'est des vrais fruits et tout. C'est, ça m'a waouh. Les McKennedy cookies. Regardez la taille de la quicheta. Ça a l'air vraiment une kiffance hein.
Ils sont super chocolatés. Je pense que ça écœurerait quelques personnes. Pour être honnête, je m'attendais à mieux. Moi aussi, t'en manges un pas deux. Dubitatif. C'est américain. Est-ce qu'on se t'a préparé un petit cheesecake? On a un gâteau sur le bas, les gars. Gâteau, un petit gâteau sur le bas. Je pense que c'est du Philadelphia. Et strawberry. Comment les gens ils peuvent aimer ça? Ah, c'est pas bon. C'est vraiment catastrophique. Franchement, 3 sur 10, les gars. Goût de fraise, c'est un goût chimique au possible. Le gâteau en bas est pas bon. J'ai pas aimé, perso. Millefeuille de Lidl, alors ça, tout le monde dit que c'est bon. Après, voilà, c'est pas cher. Est-ce que ça va avoir le goût industriel? Je croque dedans direct. Croque dedans. Ils ont pas tort. Ils ont pas tort. Ah, c'est vachement bon. Regarde les mains. Je suis pas un fan de millefeuille, mais là, c'est il bon. Est vraiment bon. Alors, c'est un truc surgelé, hein. Mais la crème pâtissière est bonne. Franchement, c'est très, 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 très bon. Je kiffe. C'est 100 fois meilleur qu'à Carrefour ou même ces certaines boulangeries qui font du surgelé. Là, vraiment, j'ai bien kiffé. Les gens disent que c'est génial. Ok, ok. Tartelette au chocolat. Tartelette au chocolat. Ça a l'air assez simple. C'est bio équitable. Moi, personnellement, j'aime bien. On sent que c'est bio. Franchement. On sent bien la farine, on sent bien le chocolat. Ça change totalement des biscuits de base. On sent vraiment que c'est... Oh, t'as l'arrière-goût de farine. T'as vu, t'as le petit arrière-goût de la farine. Super bon. Des céréales, je veux dire. C'est des céréales. Chocolat italien. C'est servi comme ça. C'est ça. Il y a de la cacahuète dedans. Ouais. Petit truc comme ça, je crois. Bon, dis-le, papa, il pense que c'est un truc que je vais aimer. C'est vraiment pas mal. C'est super. Apéritif et tout, génial. Ouais, j'aime bien. Après, d'habitude, c'est souvent du sucré qu'il y a dessus. Pas du chocolat, mais du miel, des trucs comme ça. Pour une fois qu'il y a du chocolat, je trouve ça bon. C'est super, super bon. Sincèrement, méga, méga bon. Pour moi, Sunday, c'est les goats. Sunday, c'est Sunday. Sunday, les gars, si vous avez des gâteaux à acheter chez Lidl, prenez toujours Sunday. C'est Sunday. Bon. Au Choconoussa. Le Choconoussa, il est trop bon. Après, Sunday, ils commencent à monter leur prix, hein. Parce qu'ils sont là, ils sont bons et tout, mais vous êtes pas Ferrero quand même. C'est Inès qui m'avait fait découvrir. C'est pas exactement le goût de Nutella. On va s'entraîner. On s'est pas trop gavé. Ce soir, on va tester les pizzas, les pancakes. Ce soir, il y a beaucoup de trucs à manger. Du coup, on est parti, on va s'entraîner, on va bouger. Et puis, on est parti, les gars, pour la suite de cette vidéo. Lidl! Et là, on dirait vraiment, on est en 11. Mais aussi, t'es en train de te plaindre. Ah, ouais, il me reste encore. Même mes rêves, c'est en prison, même. Je suis en train. Oui! Ça va devenir un monstre, les gars. Man, si t'écoutes la vidéo, je t'ai pas oublié. Hein. Je vais te bouffer. C'est pareil. Alors, dédicace à Suleiman. Ouais, j'ai entendu que du Big Mac il est passé au cheese. Bah, bah, bah. Super. J'ai goûté le gâteau de la fille de Nassia. Si c'est pas bon, je vais me faire frapper en direct. Voilà. Elle a fait maison? Ouais, ouais, fait maison. Eh, franchement, ça sent bon, pour de vrai. Chez nous, les produits, c'est du Made in France. Made in France? Ah ouais. T'es même le chocolat, on l'a fait nous-mêmes. On a ramené du cacao de Côte d'Ivoire. D'accord. Il arrive vraiment de Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu de coupé ou quoi que ce soit. Franchement, c'est bon, mais on dirait plus un sablé. Ouais, non, mais le goût de sablé, c'est. Mais j'aime bien. Mais en fait, c'est spécial, c'est fait exprès. Ouais, ouais. Non, il faut croire, faut pas croire que c'est un vrai cookie. C'est un faux cookie, c'est pour faire parler les abrutis. On va voir un peu ce que les pizzas Lidl ça vaut. À Skip, c'est les meilleures. Elles sont belles, hein. Elles sont magnifiques. Franchement, magnifiques. Vas-y. Et la deuxième, magnifique. Franchement, magnifique. Ok, trop bien. Insane. Okay. Ok, les gars, on a nos deux petites pizzas de Lidl pour bien Lidler. J'espère que ça va être de la frappe. On dirait vraiment des pizzas indiennes. En Inde, les gars, ces pizzas, elles sont comme ça. La pâte, elle a l'air fluffy. Est-ce que c'est vraiment les meilleurs trucs? Je sais pas. Ça sent grave bon. Les gars, une margarita basique, super moelleuse. Elle est super moelleuse, les gars. La pâte est magnifique. Des petites herbes dans la pâte, c'est trop une dinguerie. J'adore. C'est trop bon. Mais j'aime vraiment trop. C'est grave bon. C'est super basique, super simple, mais méga bon. Elle est grosse et tout, mais elle est grave aérée. C'est ça? Tiens, si tu veux. Là, qui fonce. Ça a l'air maxant. Je vais reprendre une part, les gars. Mais bon, pour que vous rendez compte. Regardez les gars comment c'est super mou. La pâte est un peu sucrée, j'aime trop. Super bon. C'est de la folie. Je pense que c'est le meilleur truc qu'on a mangé pour l'instant. Ouais. Je sais pas, il paye combien. Quand c'est 2 euros et quelques peut-être. Ouais, t'en prends 2 en vrai. C'est un peu petit. Mais c'est meilleur que les, les pizzas Carrefour et tout. De loin. Je kiffe. La pâte, on dirait un peu la pizza de Mr. V. Ouais, exactement. Je trouve meilleure que celle de Mr. V. Hein. Moi, j'ai préféré celle de Mr. V. Hein. Là, c'est juste une margarita. Hein. Pepperoni de la mama. La pizza de la blockchain. Hein. XO.
Ouais. J'aime bien, mais je préfère Margarita, moi. Moi, je préfère celle-là. Je trouve qu'il y a plus de, bah, plus de trucs, déjà, il y a plus de goût. Moi, je préfère celle-là. Moi, il m'a dit ça. Validé de fou. Validé pour la pizza, on passe au pancake. Les gars, on a réussi! C'est un grand pancake. Là, c'est un énorme pancake. Let's go! On va goûter nos méga pancakes. Les gars, j'ai créé des Cheetos cuirassés. Avant ça, on va mettre de la pâte à tartiner de MyProtein, les gars. Vous avez moins 45% de réduction avec le code KibiKib. N'hésitez surtout pas, puis en plus, ça me permet de vivre de mon contenu. N'hésitez pas, les gars, le petit code MyProtein. Et franchement, elle est super bonne. Pour ceux qui veulent éviter de manger ça, même si c'est vrai que c'est cool de temps en temps de prendre un peu de Nutella, on peut se faire plaisir, mais Nutella, les gars, oulala, c'est très calorique. Regardez, il me reste quasi plus. La preuve que j'en mange beaucoup. Prends un petit bout, fais-toi une petite tartine. Vas-y. Okay. Moi, je prends ça. Je prends la cuillère. Je crois qu'il en reste plus beaucoup, hein. C'est un peu galère. Oui, il y en a plus. Et là, je vais pas manger tout le grand pancake parce que il est immense. Ouais, c'est vrai, on a fait un pancake immense. Hop, je te fais une partie là, là. Eh, ça fond. Ouais, ça fond parce que c'est bien chaud. C'est pas assez cuit. J'ai goûté tes yeux là. On l'a fait trop gros, il est pas assez cuit. Ah, il est pas assez cuit. C'est pas fou. On a essayé de faire un géant pancake et il est pas assez cuit, les gars. Vas-y, essaye avec ça. Attends, je vais prendre de la date. Ouais, fleur, ça va. C'est bon? Ouais. Voilà, je fais une petite crêpe. Comme ça. Ouais, comme ça. Non, il est bon. Ah, il est bon, il est bon. Trop chaud. Mmh. Ah oui. Ah, franchement, c'est bon. Vous êtes pas des géants comme nous? Non. Franchement, c'est bon. Les gens, ils kiffent. Franchement, c'est cool. Ils ont raison, hein. C'est bien bon. Et c'est avec un Nutella. Beaucoup plus rapide que faire soi-même, quoi. Ouais, c'est ça. En vrai, c'est rapide, les gars. Tu mets du lait, tac. Ça passe bien. Petite kiffance. Mmh. Ils sont plus sucrés, je crois que. Par contre, ils sont plus sucrés. Hein. Là, je t'en fais un. La kiffance. Là, vas-y. Fais ta kiffance. C'est la Maxence, là. Mmh. Allez, moi, je me fais ma petite kiffance. La chose taste. Ah, c'est vrai que c'est bon. C'est calorique, hein. Ils faisaient en plus eux hein, des pancakes déjà faits aussi, tu te rappelles? Ouais, là, je mets tout avec du Nutella, ça devient bon. En tout cas les gars, ultra validé, avec de la pâte à tartiner, sympa. On a encore plein de trucs à tester les gars. Les crêpes. Bon ça c'est imitation crêpe waouh du coup. Imitation crêpe waouh, tac. À moi. Je valide avec énorme validation. C'est bon, c'est bon. Il y a moins de chocolat que les crêpes waouh. Après c'est les préférences, parce que je pense qu'il y en a qui vont préférer celle-là quand même. Ouais. Avec un petit coulis les gars, à l'intérieur. Ça c'est bon ça. Assez vite. Et l'autre, t'as mis combien? Les gaufrettes de l'époque de nos gaufrettes. Oh, ça je sais, j'adore ça moi. J'ai goûté en primaire. C'est tous mes souvenirs. Super bon ça. Des mini brownies. Alors, il y en a beaucoup qui disent qu'ils aiment bien. On n'a jamais. C'est sans le lait. On n'a jamais goûté, non? Je crois que maman, elle nous en a déjà acheté quand elle était petite. Il y a mieux. Sans plus. Il y a beaucoup mieux en brownie. Ouais. On sait tous que les chocolats, c'est meilleur. Mais comment tu manges? Soit tu manges tout autour, après tu profites du chocolat. Ouais, moi je fais ça. Soit tu manges tout d'un coup. Moi je mange tout autour. Ouais, moi j'ai toujours fait ça aussi. Après mon chocolat. Les gars, ça ressemble de ouf à la marque. Pour moi c'était pareil. C'était le même goût. J'aurais du mal à faire la différence. Peut-être parce que ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. Peut-être, mais moi c'est le même goût. Hein. Pour moi c'est le même goût. Magnifique. Même super le verre content et tout. Super bon. On a pris aussi des pâtisseries Lidl, pain au chocolat, torsade, tout ça. Mais franchement, j'ai plus faim. J'ai pas envie d'en faire. En fait, les gars, vous savez, on adore les pâtisseries de Lidl. Mais ma maman nous a fait un gâteau de fou. Il faut qu'on garde de la place. Donc on passe au gâteau de la maman. Même si les pâtisseries Lidl, les gars, vous savez très bien que c'est très bon. On va vous faire montrer des produits que vous n'avez pas forcément l'habitude. Donc c'est parti. Le gâteau de la maman. Oh là 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 là. Les amis, le gâteau de la maman. Mettez une note sur 10, les gars, si vous êtes restés jusqu'à la fin de la vidéo. Tout est fait maison. Franchement, magnifique les gars, c'est magique. Oh là là, franchement maman là, elle s'est donnée. Regardez les gars. Vas-y, tu sais quoi, on va filmer comme ça. Vas-y Diane, goûte. Oh, prends bien tout. Revenez. Ah, j'arrive pas à tout à vous forcer. C'est acide. Ah ouais. Ok les gars, à mon tour, on va voir ça. Ok. Grosse part, parce que je suis en bœuf. Ah. Ouh. Ah, c'est acide un peu là. Ouh. C'est acide, mais c'est super frais. Et sincèrement, c'est super bon. La crème à la valine, c'est une dingue. Elle est trop forte, les gars. Elle nous fait vraiment des gâteaux de fou en ce moment, je vous jure. Et en tout cas, les gars, dans cette vidéo, on s'est vraiment beaucoup régalé. Et on a vraiment trop mangé. Et en vrai, j'ai payé cher dans cette vidéo. Alors, je compte sur vous pour mettre des pouces bleus, des abonnements. Et puis, on se retrouve, les gars, dimanche pour une nouvelle vidéo sans aucun contenu. Comme d'habitude, on a des YouTube shorts. On a plein de choses qui sortent sur TikTok, sur tous les trucs. On se donne un fond en ce moment. Ça, c'était Dylan et Kibiki. Et on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo sans aucun contenu. Des bisous à tout le monde. Et dites-nous dans les commentaires, c'était qui le produit Lidl que vous avez le plus kiffé.